ici, c'est l'entrée de Dembokro, comme vous pouvez le constater. Avec un cœur comme ça, j'aime Dembokro. Dembokro, le chef-lieu de la région du Nzi. Dembokro, autrefois créé par le doyen Kwasi Gyengbo. Et par déformation langagière, le colonisateur l'appelait Dembokro. Soyez les bienvenus, c'est RTI de domicile. Suivez-moi, vous allez tout voir. On va surprendre d'autres familles. Voilà. Salam alaikum. Maman. On avait dit qu'on allait revenir un jour. Maman, ça va? Bonjour, bonjour maman. Ah ouais. Maman, regarde ton air. Ça va? Oui, ça va. Mariam, va bien? Oui, je vais très bien. Oh, mais c'est pas votre nom? Si, c'est mon nom. Ça va bien ici. Le quartier, là, c'est quel quartier? C'est Sokradian. Sokradian. Mm. Il y a combien de quartiers ici à Dembokro? Nous sommes à Dembokro. Hein? Oui. Il y a combien de quartiers? Ça vaut 10? 14 quartiers. 14 quartiers. Hein? Oui. D'accord. Sokradian est collé à quel quartier? Il y a quartier Koulibaly, puis il y a Kennedy. Kennedy. Il y a Durabou aussi à côté. Durabou, c'est un peu devant. D'accord. Oui. Est-ce que vous connaissez l'émission là? C'est-à-dire l'émission on va chez les gens pour les surprendre. Vous avez déjà regardé à la télé? Oui, j'ai regardé. Comment on appelle ça? Comment on appelle l'émission? D'accord, l'émission s'appelle RTI 2 à domicile. Voilà, on va chez les gens, on les surprend. On était ici, mais ça, c'était pas dans le cadre de l'émission. On a dit à maman qu'un jour, on allait venir la surprendre. C'est ça. Et on est venu aujourd'hui. Comme quoi, quand on dit, on fait. On fait. Voilà. Et qu'est-ce que Mariam regarde à la télé souvent? Qu'est-ce que vous aimez à la télé? Ça, c'est ton air qui passe. Oui, je regarde. Et vous regardez quoi? Ton air. Souvent, je regarde les feuilletons aussi. Oh, oui, les feuilletons. Hein. Oui. Quel feuilleton? Mon cœur, mon bonheur. C'est ton cœur, mon bonheur. Oui, ton cœur, mon bonheur. Qui est beaucoup apprécié. Il y a aussi Amour Océan. Oui, voilà, on a beaucoup de feuilletons. On a une série camerounaise qu'on appelle Le Général, qui passe très souvent, qui cartonne bien. Oui, donc, on a beaucoup de films chez nous. Et puis les samedis, on vous propose beaucoup de divertissements. Est-ce qu'on peut parler avec maman et... Oui. Voilà. Je vais parler avec maman. Avec maman, attrapez le micro. Voilà. Qu'est-ce que maman regarde à la télé? Non, on est à Radio Bayan. Ah, maman dit qu'elle est à Balogène, hein? Elle Bayan. Maman n'aime pas RTI 2. Ah, ma frère, frère. Ah, tu... maman regarde RTI 2. Elle dit regarde RTI 2. Souvent, c'est pas toujours quoi? Non, c'est pas toujours quoi. D'accord, d'accord. Mais maman, c'est bien comme ça qu'on vient vous surprendre, c'est bon? À dernière fois, t'as dit. Surtout à quelle heure, à dernière fois, pour Nyama. Elle dit qu'elle est très contente de la surprise. Mais Viola, même deux mois encore, elle est, très, elle est plus que contente. Voilà. D'accord. Oh, maman. D'accord. D'accord, d'accord. Elle salue le président de la République. Hein. Elle salue le président de la République pour son bienfait. Je précise que. Et nous sommes à Dembokro, c'est la ville natale du président de la République, Alassane Ouattara. Voilà. Donc c'est ici qu'il est né, et à Djoulabougou. Voilà, donc maman est très contente de tout ce qui se passe. On va passer le micro à la tante. Madame, ça va bien? Oui. Vous êtes venu rendre visite à maman? Oui. Vous habitez quel quartier? Sokradian. Sokradian, hein? Ah, vous n'êtes pas loin d'ici? C'est de temps en temps, vous venez voir maman, hein? Oui. Pour des bénédictions. Parce que maman a fait un tour à la Mecque, donc elle avait beaucoup de bénédictions. Ouais. Vous regardez RTI 2 à la maison chez vous? Oui. Ah bon? Qu'est-ce que vous regardez très souvent chez vous? Ton cœur, mon bonheur. C'est ça? Ça parle de quoi? Parce que moi, je ne regarde pas trop. Ça parle de quoi? Il y a deux mariages, chrétiens et puis musulmans. Ah, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est un vieux truc comme le monde. C'est-à-dire, dans le couple, deux personnes s'aiment. Une, mais c'est la maman qui s'oppose. Voilà, une est musulmane, l'autre est chrétienne. Et leur mère s'oppose. La mère de qui s'oppose? La mère du chrétien s'oppose. C'est l'homme qui est chrétien, mais c'est l'homme qui est chrétien. C'est l'homme qui est et chrétien. Et la fille est musulmane. Oui. Donc c'est la mère de l'homme qui ne veut pas que son fils marie la fille. Ça va se terminer comment? Ça va se terminer bien. Bien? Oui. Ils vont se marier? Oui. C'est sûr? Oui. Vous étiez là quand on créait la série? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu une émission où on vient chez les gens pour les surprendre à RTI 2? Non. Vous n'avez jamais vu ça? Oui. D'accord. J'ai vu ça à la télé seulement. Vous avez déjà vu ça à la télé? Oui. Ça se passe comment? Bon, je vois, ils ont fait à Bangourou. Mm-hmm. Ils ont fait à Mélékré. Oui. Ah, c'est le vieux Mélékré. Hein. Ah, il y a longtemps, ils ne passaient pas à la télé. Oui, on l'a mis à la télé. Hein. Vous l'avez mis à la télé. Oui. Vous avez aimé ça? Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas l'envie qu'on montre à la télé? Bon, je ne regarde pas les autres télés, c'est RTI. RTI 1.
été deux. Non, Yeria a été deux. Deux, hein? Ah bon? Après le journal, Yeria... C'est fini. D'accord. Jusqu'à 8 heures. Jusqu'à 8 heures. D'accord. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec des amis qui ont envie de vous saluer pour tout ce que vous faites. J'arrive. Et après? J'arrive. J'arrive. Maman, j'ai un petit cadeau pour vous. Petit. Petit cadeau pour maman. C'est pas fini, j'arrive encore. J'arrive. Maman, c'est pas fini. Ça, c'est pour vous, maman. C'est pas fini, maman. J'arrive. Voilà, maman. Ça, c'est important pour vous. C'est important pour vous. Ça, quand vous avez ça, vous ne payez rien. C'est pour toujours. On appelle ça la TNT. TNT, c'est un décodeur. Et vous avez le câble. Vous avez l'antenne. Sur ça, il y a 7 chaînes. Et parmi lesquelles, il y a RTI2. Donc, madame, qu'est-ce que vous pensez du petit présent qu'on a porté à maman? À vous tous, à vous toutes, hein. À vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup. Mm-hmm. Que Dieu met beaucoup de grâce dessus. D'accord. Longévité. Que RTI évolue encore plus que ça. D'accord, on va évoluer. Si vous êtes derrière nous, on va évoluer. Il n'y a pas de problème. D'accord. Inch'Allah. Mariam, oui. Un petit cadeau pour maman. Mm-hmm. On a un sac de riz, on a un panier et puis on a... Désormais, maman ne paye rien pour y aller à la télévision. C'est gratuit. Tous les matins, elle se lève, c'est gratuit. Elle ne va plus aller recharger quoi que ce soit. C'est un cadeau de RTI2. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je remercie la RTI2 mm-hmm. pour tous ceux qui sont venus faire pour la maman. D'accord. Vraiment, que Dieu mette la baraka mm-hmm. sur la RTI2. D'accord. Et que tout aille bien. D'accord, vous allez continuer à regarder RTI2? Oui. On va terminer par maman. Maman est contente. Elle est contente. D'accord, elle dit qu'elle est très contente. Kabi Gary Terera. Ebe te de kuina dole be de ka dote buya na la sona ikara demson savana yemfe d'accord ikara demson savana yemfe adibi ale ya garaju bunya ete era ki tobo ka timinga ka galamba di makati minga alo kanye merci beaucoup ebe yaram na dura ka chamandi mara alo kanye ka shi chamandi mara alo kanye ki fana domba dem fana se ka nyoko ke luna alo ke ala sina fa bandima ala kende odima ka ni mando salma ka ta ni mando salma vraiment ni bouya na maso ka a jara ni ma sigini ni ni d'accord j'ai traduit ça pour vous hein maman est en train de faire une bénédiction pour toute l'équipe qui m'accompagne voilà c'est une dame qui a beaucoup fait pour Dembokro et ses enfants ont beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire et il n'y a pas de raison que nous en tant que médias des services publics qu'on ne vienne pas lui reconnaître tout ce qu'elle a fait et elle fait beaucoup de prières pour nous, elle souhaite qu'on évolue voilà donc je vais dire ça pour toute l'équipe hein. Tous les cadres, la réalisation, tout le monde, preneur de son, tout le monde c'est pour vous les bénédictions et merci beaucoup maman et à bientôt hein. On continue notre périple, notre promenade à Dembokro. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est le match que vous regardez? Ici, là, c'est une kiosque ou c'est quoi? C'est une gare. Le chef de gare, c'est qui? Fofana. Fofana, il est où? Il est à Abidjan. Ah, mais comment, qui va gérer la gare ici, qui n'est pas là? Bon, il y a ses représentants qui sont ils sont sortis. Mais vous êtes ici en tant que qui? Monsieur le guichetier. Ah, le guichetier. Donc, si nous, on veut aller à Abidjan, c'est vous qu'on doit voir. Vous nous donnez ticket cadeau. Ticket. Hein? Ticket. Cadeau, non? Bon. Ah, mais vous êtes gentil, vous n'allez pas nous faire payer. Est-ce qu'ici, souvent, vous regardez RTI2? Oui, oui, on regarde RTI2. RTI2? Oui, oui. Alors, nous, c'est RTI2. L'émission s'appelle RTI2 à domicile. On se promène dans toute la Côte d'Ivoire pour amener les gens à regarder notre chaîne ou pour nous faire des suggestions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous sur RTI2? Qu'est-ce qui manque? Quand vous regardez la maison même ici, là, qu'est-ce qui manque? RTI2, c'est une chaîne qu'on regarde souvent, pas trop. Mais qu'est-ce que vous aimez sur RTI2? Bon, je n'ai pas trop... Vous n'avez pas trop le temps pour regarder la télé? Mais vous avez une télé ici, vous travaillez oui, ici. Souvent, quand on regarde ici, c'est pour ça, la chaîne, comme c'est la clientèle. Oui, c'est la clientèle qui décide. C'est la clientèle qui décide. Les clients, mais stress,
Oui. Pour que les gens puissent regarder pour que... Mais nous aussi, on a de la musique, hein. On a des films, on a de la musique chez nous. Oui, c'est vrai. Hein? On va commencer à voir ça maintenant. À commencer à voir, hein. Il n'y a pas de problème. D'accord, on va parler avec celui qui supporte la Côte d'Ivoire. Ça va bien? Ouais. D'accord. Est-ce qu'à la maison, tu regardes RTI 2? Non. Tu ne regardes pas? Non. Tu n'aimes pas? Bon, je l'aime, mais parce que je n'ai pas aussi la télé. Tu n'as pas? Je n'ai pas télé. Tu n'as pas télé? Tu es seul à la maison? Ah bon, comme nous on est élèves. Ah, tu es élève, tu es à l'internat. Tu es chez tuteur. Ouais, ouais. Chez tuteur. Mais chez tuteur, il y a la télévision, non? Bon, oui, il y a la télévision. Mm-hmm. Nous... Parle fort. Bon, comme on n'a pas tant, il y a la télé. Mais ton village, c'est où? Tano Akako. Mais quand tu es là-bas, tu regardes RTI 2. Mais qu'est-ce que toi, tu aimes à la télé? Tu aimes quoi? Ouais, j'aime football. Avec karaté. Avec karaté, hein? Ouais. D'accord, on va pas te prendre le temps. Et on va te demander de dire à tes amis de suivre cette émission, ça s'appelle RTI 2 à domicile. Si on était venu trouver que vous regardez notre chaîne de télé, tu vois la voiture là, il y a beaucoup de sacs de riz dedans. On allait vous donner. Mais comme vous ne regardez pas notre chaîne, vous allez voir qu'on a donné beaucoup de sacs de riz ici depuis le matin. Mais prenez ça. Voilà. Voilà, je peux m'asseoir. Vous avez un nouvel ami que vous avez appelé. C'est votre ami que vous avez appelé. Ça va? Oui, ça va. Attrapez le micro, vous appelez un renfort. Et dit, il ne peut pas trop parler, il vous a appelé pour venir nous combattre. Ça va? Oui, ça va. C'est quel nom? C'est Salomon Souleman. Vous êtes aussi chef de gare? Approchez le micro. Je suis le chef de bagage. Le chef de bagage, hein? Oui. Donc, si nous, on doit aller avec nos bagages, oui. Lui, il nous a dit qu'il va nous donner un ticket cadeau oui. pour aller à Abidjan. Oui. Et vous n'allez vous allez pas taxer nos bagages, hein? Non, il ne va pas taxer. Vous n'allez pas prendre, hein? Si vous avez le ticket, il ne va pas taxer votre D'accord. Bagage. Donc, vous êtes gentil ici? Là, on est gentil ici. D'accord. Salomon, on a un petit cadeau pour vous. Quand vous allez, on va emprunter votre carte de suite là, oui. pour aller à Abidjan. Oui. Vous n'allez pas toucher nos bagages. Non, non, non. Et lui va nous donner des tickets cadeaux. Oui. Et nous, on vous donne un cadeau déjà pour ne pas qu'on soit dérangé dans le car. C'est sympa. Et merci beaucoup. Oui. Comme on dit en baoulé ici, bon voyage. En blande. En blande. En blande. En blande. Jacques Wao. Okay. Salut. Ça va? Prends ça, c'est pour toi. Prends, faut aller à la maison. Ici, c'est le quartier commerce de Dembokro. C'est déjà la fin de ce numéro de RTI 2 à domicile. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir regardés. Comme vous le savez, le slogan n'a pas changé. Le prochain rendez-vous, c'est chez vous. Car la télé, on l'a fait pour vous. À très bientôt. C'est vous qui posez la question sur RTI 2 en fonction. C'est pas moi. Toto, c'est vous. Est-ce que c'est moi? Vous aimez porter les lunettes. C'est moi? Oui. Je m'appelle comment? Je vous pas savoir de noir, là, oublié, mais je vous connais très bien. Moi-même. Vous présentez aussi un chahutement, si RTI 2. Est-ce que c'est moi? C'est vous. Demandez, moi je m'assois ici. Tonton, c'est vous, je vous connais. D'accord, bien. C'est vrai. Ça va? On vous appelle comment? Et maintenant, vous pouvez aller à Djaran. D'accord. Vous aimez RTI 2? Oui. Ah bon? Oui. D'accord, c'est gentil. Merci à RTI2. Merci à vous, à bientôt et puis travaillez bien à l'école. Hein. Okay. Allez-y, voilà. Allez-y, à bientôt. Voilà.